Pareil. En octobre sur BTV, il faut sauver Matt Damon. Abandonné sur la planète rouge, l'acteur récompensé aux Golden Globes est irrésistible dans Seul sur Mars, une aventure spatiale mise en orbite par Ridley Scott. Pour Mélanie Laurent et Cyril Dion, c'est la Terre qu'il faut sauver. Avec Demain, César du meilleur documentaire 2016, ils vont à la rencontre de ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Être capable de produire sa propre nourriture, ça te donne un truc. Un pasteur possédé, accompagné de sa petite amie et d'un vampire, pourchasse Dieu sur les routes américaines. La série Preacher débarque sur BTV et elle va faire du bruit. Faut pas se prendre pour Dieu. C'est pas ça qui m'intéresse. Prémonition réunit un casting de rêve, Anthony Hopkins en tête. Quand un médium recherche un tueur aussi clairvoyant que lui, la traque est forcément captivante. J'ai là ! Once Upon a Time fait un tour du côté obscur de la Force. La série qui réinvente les contes de fées revient avec une saison 5 sombre et passionnante. Les Grecs ont apporté deux contributions à la civilisation. La première, la démocratie, la deuxième, l'enculade. J'ai essayé les deux, mais les deux sont dépassés. La présidente des États-Unis est aussi de retour. Dans la saison 5 de VIP, Célina Meyer use une nouvelle fois de son humour décapant pour faire face aux affres du pouvoir. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est, au bout d'un moment, ça me... Question humour, la fine équipe de Babysitting 2 n'est pas en reste. Cette fois, c'est au cœur de la forêt amazonienne que les héros de cette comédie délirante sèment le chaos. Après, sur le chemin de l'école, Pascal Plisson revient avec un documentaire tout aussi touchant et humaniste. Dans Le Grand Jour, il filme les rêves d'avenir de quatre enfants du bout du monde. J.J. Abrams à la production et un casting 4 étoiles. Westworld, la nouvelle série événement signée HBO, a tout pour plaire. Bienvenue dans un univers futuriste et sans pitié. Tout le monde sur le pont ! En 1820, un baleinier est écoulé par un cachalot géant nommé Moby Dick. Cette histoire mythique a inspiré Ron Howard, qui réalise avec Au cœur de l'océan, un film d'aventure haletant. En octobre, le spectacle vaut le détour sur BTV.